Désolée, je pars en live toute seule. J'ai essayé de faire un effet, je me suis dit, je vais essayer d'être drôle. Mais bon, bref, ouais, j'espère franchement que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon réveillon, le nouvel an, tout ça, vous avez été gâtés, vous n'avez pas trop mangé, pas comme moi. Que tout, enfin, tout ça, vous avez été entouré de vos proches, etc. J'espère franchement que vous avez passé de bonnes fêtes et puis bah je vous souhaite à tous une bonne année, bonne santé, l'argent, le travail, etc. Bref, c'est un peu bateau, mais c'est tout ce qu'on peut, ce que j'ai trouvé. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter de toute façon. Et surtout plein, plein de bonheur, quoi, tout simplement. Bref, on n'est pas là pour ça. On est surtout là pour vous parler. Enfin, je suis surtout là pour vous parler, moi, de mon Emmanuel du mois de décembre, qui sera un mixte. Cadeaux, achat, bref, j'ai 5 livres, un achat, 4 cadeaux. J'ai pas été, j'ai été beaucoup gâtée, mais j'ai pas beaucoup acheté. J'ai acheté qu'une seule chose, mais c'était surtout pour me mettre un peu à la page au niveau de ce qui se lit sur la blogo en ce moment. Et pour faire une lecture commune avec une blogueuse, mais ça, je vous en parlerai après. Donc, on m'a offert, par contre, je ne dirai pas qui, parce que c'est souci, par souci d'anonymat. Pour ma famille et mes amis, enfin, bref. Par souci d'anonymat, je ne dirai pas qui a acheté quoi. Donc voilà. Bref, on m'a offert de Sophie Kinsella, l'excellente marque, la même marque qui flanche, édition Pocket. Et j'ai regardé derrière parce que j'avais un doute encore une fois, hein, ça changera pas. De Catherine Pancol, les yeux jaunes des crocodiles. Voilà, est-ce que je vais y arriver? Livre de poche. Donc les trois. On m'a offert les trois donc en livre de poche. Donc, vous en doutez, qu'est-ce qui vient après? La valse lente des tortues. Et les écureuils de son trappard sont tristes de l'ennui. Regardez-moi ces couvertures vraiment flashy. On voit que ça dans une bibliothèque. C'est enfin, tout juste. C'est juste génial, quoi. Enfin bref, je suis toute contente. En fait, je les avais déjà lus, je vous explique un peu. J'avais déjà lu ces livres-là. Mais en fait, je voulais les relire parce qu'en fait, on me les avait prêtés. Et j'ai dit donc à la personne qui m'a demandé ce que je voulais pour elle, si elle pouvait me les offrir, et elle me les a offerts. C'est trop bien. Surtout, j'avais fait un peu, enfin, j'avais montré un peu ma wishlist d'ailleurs, qui est juste. Maintenant que j'y pense, elle est juste monumentale. Vous regarderez ça sur mon blog, c'est juste une horreur. Ou sur Livradict, hein, pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à voir mon blog, et Livradict, je vais remplir ma wishlist, ça, parce que ça fait beaucoup de boulot. Mais je vais le faire. Donc voilà. Et j'ai donc acheté, pour un cadeau de moi à moi, c'est pas pour ça ce que je dis, mais tant pis, on s'en fiche. Il s'agit de La passe miroir, tome 1, les fiancés de l'hiver. J'étais beaucoup, beaucoup influencée par la blogo. Par non seulement la blogo, mais aussi par trois. Surtout par trois blogueuses en fait. Cougette Manon, Tartine aux Pommes et Céline Bourg-Passion. Ces trois-là qui ont fait une lecture commune en fait de ce livre. Et j'ai juste adoré. Donc c'est édition Gallimard Jeunesse. Hein. Donc c'est La passe miroir, les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Ou Dabos, je ne sais pas. Si on prononce le S, dites-le-moi d'ailleurs si vous savez. Voilà, la couverture est juste magnifique. Alors, je suis censée l'avoir fait, enfin le faire en lecture commune, mais la personne à qui j'ai fait en lecture commune a été deux fois plus rapide que moi, parce que je n'en suis qu'à la 167e page. Honte à moi. Donc voilà, et on m'a offert aussi un super marque-page. Regardez-moi ça, le petit poisson dans la ville Nemo, c'est juste super. Donc voilà, c'est juste génial. Donc il y a 500 et quelques pages, donc c'est juste pas possible. Donc elle a été deux fois plus rapide que moi, mais bon, c'est pas bien grave. Je vais m'atteler à mes chroniques parce que j'ai juste énormément de retard. Alors je ne sais pas si je ferai une vidéo. Dites-moi quand même si vous voulez en commentaire, dites-moi si je dois quand même vous faire une vidéo de mes chroniques en retard qui sont les tomes de 1 à 3. De Vampire Academy, si vous voulez quand même une vidéo ou pas, dites-le moi. Sinon, je me contenterai des chroniques sur ma page et sur mon blog.
Et sinon, bah, je chroniquerai bien entendu ce bouquin parce qu'il est juste super. Je crois que c'est... J'ai pas fait de top 10 ni de bilan cette année parce que j'ai pas suffisamment lu de livres et puis je me suis dit que c'était un petit peu répétitif. Je vous avais déjà à peu près les livres que j'ai lus, vous savez à peu près mes goûts et à peu près ce que j'en ai pensé, vous savez à peu près mes déceptions, mais j'ai pas eu de coup de cœur, sauf ce livre-là que je tiens entre mes mains, qui est juste le Saint Graal des bouquins. Je suis en train de dire n'importe quoi, mais c'est pas grave. Je ne couperai pas ça au montage, il serait pour ficher de ma tête. Mais c'est pas grave. C'est juste mon coup de cœur de 2013. C'est voilà. J'avais pas eu de coup de cœur de toute l'année. Enfin, depuis que j'ai repris la lecture de façon plus assidue. Et il faut dire que là, voilà. Je regrette vraiment pas. Puis il faut dire qu'en lecture quand même, ça me dit plus pour vider sa palle. Donc voilà. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt.